415 sous-officiers stagiaires de la Gendarmerie nationale ont terminé leur formation militaire de base présentée au drapeau ce mardi. Ils ont été rappelés à l'importance des valeurs de rigueur, de cohésion et de discipline par le général de corps d'armée Alexandre Palotouré. Leur portage de Thiémé d'Angers, Échec Bleu. Place d'armes de l'école de gendarmerie d'Abidjan-Cocody. Sur les rangs, 1415 élèves sous-officiers, dont 91 personnels féminins, aptes à intégrer, le corps au terme de la formation commune de base. En face, pour la sortie du bois sacré et la présentation au drapeau, le commandant supérieur de l'institution de défense et de sécurité. À leur côté pour cette intégration officielle, parents et autres proches. Occasion pour le général de corps d'armée, Alexandre Palotouré, de les interpeller sur le respect des critères d'accès au corps d'élite qu'est la gendarmerie. Lorsque nous voyons quelqu'un qui a tracé sur son corps un certain nombre d'éléments, parfois des têtes de lion, d'éléphant, de rhinocéros, nous nous questionnons sur son état d'esprit. Si la taille de l'individu ne dépend pas de lui, mettre des tatouages sur son corps dépend de lui. On ne peut pas. En même temps que certains sont censurés à cause de leur trop petite taille, admettre que d'autres qui donnent à leur corps une apparence effrayante, alors qu'ils sont appelés à venir dans notre institution pour rassurer la population, sécuriser la population, on ne peut pas accepter ces personnes-là dans notre institution. Les élèves stagiaires de la promotion 2022-2024, enfin d'isolation du monde extérieur, pour acquérir les fondamentaux du métier des armes, sont sommés de s'approprier les valeurs de leur corps, faute de quoi ils en seront éjectés. Non seulement vous êtes engagés dans cette institution, mais vous devez comprendre l'esprit. Vous appartenez au prime abord à la patrie. Et vous devez servir dans l'esprit des lois. Hors des circonstances légales, si vous portez atteinte à la vie d'un citoyen, à l'honneur d'un citoyen, vous serez sanctionné sans ménagement. Vous devez en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances rechercher la vertu. S'engageant à œuvrer dans le sens des consignes édictées, la promotion effectue son tout premier défilé militaire. Un moment d'appropriation et d'expression, des valeurs de discipline, de cohésion et de solidarité. Des valeurs chères à la gendarmerie nationale, que ces nouveaux agents s'obligent ainsi à porter et à défendre, même au péril de leur vie, dévolue au service de la patrie et de la loi.